Hello tout le monde et bienvenue pour cette Summon Session que je vous avais promis avant-hier. Donc voilà, j'ai acheté mon petit pack, hein. Très très bien, très très bien. Cette Summon Session étant différée, étant donné que ce matin quand j'ai enregistré la Summon, le son s'est très mal enregistré, donc j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire comme ça. Cette Summon Session va être particulière, étant donné que je vais utiliser un petit logiciel de ma fabrication pour comparer un petit peu. C'est un simulateur de summon. Et je sais, vous allez me dire, il y en a un très très bien sur Summoners War FR. Et en fait, c'est lui qui m'a poussé à faire simulateur, tout simplement, parce que, bon, je dis pas qu'il est mauvais, il m'a beaucoup servi, j'ai fait pas mal de summon dessus, mais il manque énormément de précision. Hein, quand on se retrouve avec 4-5 nacks par summon, on se dit... Il y a peut-être un petit problème de fake là-dedans. Où sont les fake 4, où sont les fake 4 nats et les fake 5 nats? Voilà. Eh bien, on ne le sait pas. Ils sont cachés. Étant donné que j'ai eu un fake 5 nats, je le dis vachement mieux quand même. Eh bien, j'étais un peu dégoûté. En me disant, tous ceux qui font les summons se disent, ouais, c'est trop bien, j'ai des 5 nats. En fait, t'as un fake. Ah oui, t'es un bâtard. Du coup, j'achète mes packs. J'achète mes petits packs premium, parce que sinon on n'a rien, enfin avec les cristaux hein, je veux dire, on n'a rien à invoquer, rien à comparer avec mon simulateur. Et il me reste 500 petits cristaux, soit je les garde pour le refive, j'avais pas vraiment envie, ou alors j'achète soit le titan, soit le lac, soit la falaise ou rafale. Et du coup ce sera la falaise, parce que 5 places à 150 XP par heure, c'est biv, surtout que je suis dans l'optique de monter des 6 étoiles, en fait, assez prestement. Qui utilise encore prestement, d'ailleurs. Donc, voilà, ça va me servir. Je l'ai acheté, et nickel, nickel. Du coup, on va récupérer tout ce qui va nous servir à la summon, donc nos 11, nos 22 V1, pardon. Les autres, je les avais déjà récupérés. Et on va pouvoir y aller. Alors, on a en tout 24 V1. Donc 22 mystiques, un arcane light et un légendaire. Voilà, j'espère avoir des 4 nats clés. Mais on va voir un petit peu ce que va nous dire mon simulateur. Donc on rentre en fait la valeur. Par contre, je vais devoir valider avec une lettre. Je vous explique ça pendant que j'en chie à mettre ça. Voilà, à mettre ça correctement. En fait, quand je rentre une valeur, il faut que je mette une lettre derrière pour que ça valide. Voilà, donc j'ai rentré 22 V1, et ça me dit que j'ai un seul 4 étoiles. Est-ce que j'arrive à le lire d'ici? C'est un vent, capitaine pirate vent. Ok, pourquoi pas. Alors, on commence la summon, et on commence par du food. C'est très très bien, étant donné que j'en ai besoin. Tiens, ça c'est du skill pour Belladéon. Voilà. Du moins c'était, du skill pour Belladéon. Putain, je suis en train de jouer en même temps, je tombe sur des pierres de métamorphose. Voilà, première étincelle, gargouille, citrouille d'Halloween, feu, très très bien, j'aime beaucoup, c'est la troisième fois que je l'ai. C'est mignon, mais c'est de côté, ça fera du food. Oui, je tombe sur les pierres de métamorphose, je suis en train de farmer le gardien de feu, voilà, en même temps que je fais ça, pierre de métamorphose s'il te plaît. Bref, on continue avec du food, voilà, un argue-feu, je vais certainement le garder, parce que, quoique non, j'ai Véromose, du coup je vais pas le garder, enfin. On les gardera plus tard, hein, quand on pourra se le permettre. Mais là, ça va surtout être du food. On continue, on voit qu'il n'y a toujours pas d'étincelle. Est-ce que mon simulateur aurait raison, hein? Ça serait fou qu'il ait raison. Bon, d'ailleurs, enfin, je serais content. Ça veut dire qu'il est plutôt précis. Ça n'a rien à voir. C'est du hasard. Alors, on s'approche vite fait de la fin. 4 V1. Ah, des étincelles. Nickel, on va voir. Donc, c'est pas on va voir, c'est il avait tort. Et je tombe sur Barretta, le sylphe feu. Je suis très, très, très content d'être tombé sur ce monstre. Et c'est pour ça qu'en même temps, je farme en fait le hall du feu, histoire de pouvoir l'éveiller. Voilà, et j'y suis presque. Du coup, je suis très content parce que j'avais vraiment la flemme de le fusionner. J'avais vraiment la flemme de. D'attendre en fait. Donc, je suis très, très content de l'avoir. Il va beaucoup me servir. Bien que. J'aurais aimé à la place avoir un autre Game Breaker du genre Verdéhil. Parce que justement, Verdéhil n'est pas fusionnable. Mais bon, dans tous les cas, même s'il l'était, j'aurais eu la flemme de le faire. Et
Donc on a ça, donc on n'a pas ensuite notre vélin Light and Dark, on n'a pas d'étincelle. Le seul monstre bien que j'ai eu c'est Aman. Voilà, et là je tombe sur le chasseur de tête. Je suis un petit peu hésitant en fait. Parce que je me dis soit il est vraiment bien, soit il est vraiment pas top. Donc là j'ai pas assez de mana, comme vous pouvez voir 6500, ça, voilà, ça fait pas le café ça pour le vélin légendaire. Du coup on se retrouve pour une ellipse. Voilà, j'avais une petite ellipse, même le temps que je le dis, je l'avais déjà faite. Et là, donc, je fais mon petit vélin légendaire dans ma semaine, et ça me dit un 5 nat. C'était quoi? Moine bestial? Ouais, ça doit être ça, moine bestial. Je vois très très mal, hein, la qualité en fait du rendu est pas super bonne pour l'instant, vu que je veux être à peu près calé en même temps. Pardon, à peu près calé en même temps. Donc, est-ce que j'aurai mon 5 nat dessus? On va voir ça tout de suite. Et des étincelles, du coup, ça lance plutôt bien. Et non. Non, non, on voit les 4 étoiles qui apparaissent. Et c'est le combattant Neostone O. Je suis très content aussi. Parce que moi, je suis loin de le trouver dégueulasse. Et surtout, j'avais besoin d'un DPS O. Du coup, c'est carrément biv. J'ai même pas assez de mana pour faire mon petit vélin inconnu qui traîne sur le côté. C'est parfait. Cette summon est worse. Voilà. Donc, on a eu 3-4 étoiles. Un que j'ai déjà, Barretta et Ryan, et c'est super. Enfin, franchement, je suis super content de cette semaine. Voilà. Alors. Du coup, voilà, on se retrouve avec les deux mêmes, hein. Du coup, maintenant que cette semaine est terminée, moi je vais farmer du 6 étoiles, je vais les monter, et je vous présenterai pas du Summoner's War avant d'avoir encore du contenu intéressant. On va dire, donc des petits combats, des bonnes nouveautés, une représentation de monstres, etc. Du coup, je vais vous présenter d'autres jeux, il n'y a pas de problème, je suis en train de bosser sur les patterns. Je vous souhaite un excellent week-end et gros bisous, à la prochaine.